Mais pendant le week-end, j'ai été choqué d'apprendre la nouvelle hier après-midi de l'assassinat du docteur Ernst Paddy. J'étais choqué parce que et choque là même grand José Lexidor Isaïe César, on pas rendre compte que me choqué. Non. C'est pendant là comme si me déporte télévision, regarde des vidéos et puis me pas rendre compte que ça a effet sur moi. Me pas rendre compte que ça a effet sur moi. Mais ça qui t'a fait mal c'est que docteur Paddy, quel que soit monde qui connaît docteur Paddy Abdou, non qui ça docteur Paddy caillé pour le tamouri non circonstance pareil. Madame monsieur docteur Paddy, c'est quelqu'un que j'ai connu avec qui j'ai vécu. Parce que c'est monde naïf, lui c'est nèg naïf, m'pa jamais blé ça m'a dit nous. Docteur Paddy les m'entrer dans Radio Galaxy. Eh bien, il te gagne un jazz dans le canapé fer. Que le tap supporté. Et là, ça, docteur Paddy, Louko Désir, chaque jour nous ensemble. Pour nous garder qui jeune de capable permettre que le jazz a évolué. Chaque jour. Et comme pédiatre, ma première fille, docteur Paddy t'a accompagné. Donc, famille, les petits petits sa fête, Neissa Désir fête, de ces quelqu'un que j'ai connu. Madame, monsieur. Docteur Paddy sont handicapés. Ils ont un pied pas bon même. Traîner au traîner docteur. Et tout traîner ou y a traîner lié dans vidéo ko wa. C'est pas c'est parce que Pierre pas ca supporter Pierre. Oui. C'est parce que le pas blaler, non pas ca supporter Pierre. Et puis on ça qui dit c'est que monsieur fin monter machine là. Il fin quitter la terre. Et puis il fin quitter la terre, il descend, il exécute le. Parce que le un visage de monde qu'elle connaît. Parce que il exécute le madame monsieur. Et quoi que je dis à madame monsieur. Nous t'a dû camper pays ça aujourd'hui là. Jeudi lundi 1er mars 2021. Faut vraiment t'a camper pays pour nous dire ça n'a pas pays ça. Parce que lui plus qu'inacceptable parce que ou pas même qu'a dit lui inacceptable. Parce que jeudi personne n'est épargné. Demain matin ce qui est là puis encore. Et pourquoi ça qui dure? Ça qui dure? Ce sont les éléments de la classe moyenne qui encore des éléments de la classe moyenne à kidnapper, à touiller, à assassiner dans le pays. Et ça qui dure. Écoutez, madame, monsieur, ce matin, je n'ai pas demandé à ce que les kidnappés aient kidnappé des gens qui sont bourgeois dans le pays. Et pas ça me dit, pas ça me dit. Et pas ça me dit ça non plus. Mais c'est un constat. Madame, monsieur, je ne demande pas de kidnapper. Vous kidnappez un homme politique ou une femme politique. Et bien, samedi, je ne demande pas de ça. Mais c'est un constat. Est-ce que je ne demande pas de kidnapper un mulat dans le pays? Je ne demande pas de kidnapper un mulat. Ou je ne demande pas de kidnapper un bourgeois dans le pays? Je ne demande pas de kidnapper un bourgeois. Mais pour qui ça, madame, monsieur, ce dégât que vous faites là? Et sous l'élément classement que vous avez fait. Regardez ce médecin, docteur Paddy. Il a passé toute sa vie à aider le pays. Toute sa vie. Les gourmets sont à terre. Pour le monter, rivière côté rivière là. La fait étude en France, étude en Allemagne. Bon, qui l'a dit assez, c'est assez dans le pays ça. Qui l'a? Et puis ça qui est dur, c'est que ce sont des éléments de la classe moyenne qui ont kidnappé des éléments de la classe moyenne. Et ça, problème moi. Nous n'avons pas de l'autre. Et ça, problème moi-même. Donc, c'est Tineg encore qui a kidnappé Tineg. Et ça, mon problème moi-même. Madame, monsieur, je dois vous dire que, sincèrement, et dans mes réflexions, dans mon bureau à la maison, eh bien, j'ai compris que maintenant, et on est d'accord avec moi, qu'il y a une autorité criminelle en Haïti. On n'est pas d'accord, mais c'est un fait. Même gens qui a donc une autorité étatique, il y a l'autorité qui est donc établie. Même gens, il y a l'autorité parlementaire, il y a l'autorité judiciaire. Mmh. Et bien, aujourd'hui, nous faisons face à une autorité criminelle. Donc, ceci dit que une autorité criminelle qui est chef, qui est structuré, qui est organisé et qui a un objectif clair. Il n'y a pas l'autre bagaille que ça. Maintenant, comment combattre cette autorité criminelle? Comment combattre cette autorité criminelle, madame, monsieur? Parce que c'est ce qu'il y a là maintenant.
Nous avons une autorité établie. Nous avons une autorité criminelle. C'est-à-dire qui décide, c'est maintenant mort, dans le temps, petit pays, qui décide aujourd'hui d'écraser le pays. Parce que cette autorité-là, c'est sans foi ni loi. Et motivation autorité criminelle, ça, c'est l'argent. Mais c'est de quel objectif également, madame, monsieur? Donc là, parce que encore. Ah ouais. One. Donc, qui vient de combattre ça? Comment on va le mettre ensemble pour nous combattre ça? Nous allons regarder l'autre question tout à l'heure. Parce que c'est extrêmement important. Et je me demande aujourd'hui également, quelqu'un comme le président Jovenel Moïse, comment il est réveillé matin? Il y a un monde où Joseph Jout, premier ministre, est-ce que le gars est figuille dans la glace? Comme premier ministre. Just that, bien joué. Il y a un monde comme premier ministre Joseph Jout, est-ce que le gars garde figuille dans la glace? Parce que j'ai... Est-ce que ça le dans la glace là? Est-ce qu'il y a conscience pour dire ça c'est moi comme premier ministre? Pendant parler okay? Là, pendant parler là, le coup des yeux, ça on dit là, c'est que Joseph Jout pas voulait pour gagner chef de gouvernement. Aucun accord. Non mais écoutez mon frère, okay? Écoutez mon frère. J'ai goumé depuis 6 mois là, goumé là pour pas gagner accord. Il pas d'intérêt Joseph Jout pour gagner accord parce que écoutez, dès qu'il s'agit d'accord, pour mon gibale, c'est Joseph Jout. J'espère que le président Jovenel Moïse, en fait, l'a compris. Sinon, t'as grand accord déjà. Jovenel Moïse a pris le pouvoir. Écoutez, mon frère. Vous connaissez. Mais écoutez, mon Jovenel Moïse a deux points. Mon frère. Ou pas, deux points. A ou pas pour le petit pouvoir. Mon frère, vous connaissez pas ça passer dans la rue de Port-au-Prince. Bon, voici. Exactement. Nous, on a oublié ça que t'es passé sous Jovenel Moïse. Mon Dieu, on va dire que t'es pas là pour gagner trop de monde. C'est pour le dimanche. Objectif là, c'était t'es pas là, oui. Ah ben bon. Ah bon, on va comme ça. L'objectif hier de cette manifestation, c'était en train de parler. Y'a pas la besoin de faire ça. Écoutez, y'a pas la besoin de faire ça. Rappelez, écoutez, l'histoire là. Sous Jean Baptiste Aristide, c'est tous les dimanches, groupe 584 réalisé, même si on était passé hier dans Porto Preso. Ok? Les protestants, y'a pas Nick Antonio, d'ailleurs, on dit, prochaine sortie, protestants qu'on avait hier, on pourrait gagner plus de monde. Go, jamais. Go parallèle pour nous faire tout. En 2004, okay. En 2004, et bien entendu, avant Machelin, je me souviens par rapport avec déclaration président, et tu as pile l'association qui te mettait notre dehors pour fustiger, pour te dénoncer et déclaration président, pour te faire par rapport avec les travailleurs de la presse. C'est parmi eux, ANMH. AJH, moi-même, quand je comprends AJH, parce que AJH lui-même, c'est les journalistes, c'est l'association des journalistes haïtiens. Mm-hmm. C'est des journalistes, qui c'est reporters, c'est des gens qui sont dans le micro, qui font partie de l'organisation. Ça me l'a dit, ANMH lui-même, c'est les patrons, de médias. Ouais. C'est-à-dire, décision, yo prend au niveau de l'ANMH, décision ami. Pour AMI, même de ni AMI, ni ANMH, ni AJH était dénoncé. Maintenant, dans Machelin, mais constat, c'est que gagné et alors c'est par rapport avec parallèle c'est 2004 là oui. 2004 groupe 54 là où t'es comme ouais. Jean t'es gagné une mobilisation de la part de ANMH. ANMH, il est toujours dans la rue tout. Oui, oui. Toutes médias pour me dire quasiment toutes médias et à une émotion, unanimité qui était okay. Faite ouais. Et pour te dire non à ce régime non okay. Pour te dénoncer pour finir, maintenant constat et parallèle qu'on est capable de faire ça qui t'a passé en 2004 yo, avec ce qui a passé journée jeudi hein, font comparaison n'avoue est-ce que pas de bonne raison spécifique qui te fait à NMH t'es accompagné mobilisation, mouvement. Et je dis pour qui ça, c'est certains médias. Certains médias. Et ouais, qui. Nous avons cité. Nous avons cité. Mais je saisis, même ouais. Parce que. Il est important, oui. Parce que. Non, point soit fait encore. Il est important ouais. Parce que. Ouais, que. Il y a une sorte de déni par rapport avec le mouvement. Et ouais, c'est. Qui fait mouvement pas qu'à mort déjà pour le monde. Qui pas qu'à mort déjà pour le monde. Ça veut dire. Et ça qu'a dénoncé aujourd'hui là, est-ce que yo pas touché tout le monde, tout secteur dans la société? Son okay. Parallèle que me devait faire entre aujourd'hui et 2004. En tout cas, aujourd'hui, je crois que le problème est sur la question de l'insécurité. Bien que moi, il y a des gens qui font des postes, donc le problème est sur la question de dictature
nous en question directeur et tout le bien après non. Pour l'embé à Jodia. C'est insécurité. Alors kidnapping Jodia. Entre-temps, comme dit ça là, il y a trois groupes de monde dans marche là. Bon groupe de monde. Alors pas qu'on marche non. On va marcher tout à l'heure. Alors pour l'embé à Jodia c'est insécurité, faut que des souli c'est kidnapping. Alors que nous clair souli. Nous dit dans marche là, c'est gain un groupe de monde c'est pour kidnapping qui sorti. Oui. Le gros du problème c'est qui pas sorti. Oui, qui pas sorti pour Abba Jovenel. Correct. C'est bien. Qui pas sorti pour Abba Jovenel. Correct. Et on va regarder attitude yo en dans match là. Faut suivre bien pour connaître Abba Jovenel ou pas. Oui, mais tu gagne pile flèche tout contre le président Jovenel. Mais bien du pile flèche. Suis bien. Ah oui, tu gagne pile flèche. Oui, en pile flèche pour ça. Pas oublier, il est le président. C'est lui même qui s'est premier citoyen. Oui, il y a qui m'a demandé partout bagaille donc en tout cas, nous pas regarder. Il y a monde qui n'a pouvoir m'dou qui n'a marche là hier. Nous pas regarder question marche tout à l'heure madame monsieur. Entre-temps, nous parlons avec éditorial nous. Restez là oui. OK, restez là, information pour nous. OK, nous parlons avec Robinson d'Haïti donc pour notre éditorial donc de ce lundi 1er mars 2021 absolument tout pour nos cap donc qui branche émission en débat donc sur Radio L'Espoir. Haïti nécessité d'une chasse à l'homme pour retrouver les évadés. Frappé par le séisme du 12 janvier 2010, des prisons haïtiennes étaient vidées de leurs occupants. Le pénitencier national de Port-au-Prince, à lui seul, jetait dans les rues 3000 prisonniers, dont un grand nombre étaient des kidnappeurs. En août 2014, la police nationale d'Haïti avait déploré l'évasion de 329 détenus, dont Clifford de Baron. Donc Clifford Brandt, lors d'une mutinerie éclatée à la prison civile de la Croix-des-Bouquets, des individus très dangereux pour la sécurité publique étaient en cavale. On se le rappelle, le porte-parole de la police, l'inspecteur Gary Desrosiers, avait annoncé une récompense pour toute information menant à la capture de Brandt, dont la famille est très puissante dans le secteur des importations et exportations en Haïti. 7 ans après, la prison civile de la Croix-des-Bouquets connaît le même sort. Elle a été attaquée le 25 février 2021. Environ 200 détenus sont lâchés dans la nature. À chaque évasion, les bandits cherchent soit à regagner leur bastion, soit à se rendre dans d'autres quartiers pour les polluer. D'autres foyers de gangs sont alors créés. Une prison n'est-elle pas faite pour être cassée comme un contrat ? Là, le centre carcéral est un obstacle aux pulsions criminelles de l'assassin. Qui sont-ils généralement les complices des évadés? Aujourd'hui, il convient non seulement de retrouver les prisonniers qui ont pris la fuite, mais aussi d'arrêter leurs complices. Une autre question est fondamentale. Quelles sont les conséquences de chaque évasion? C'est très important. Une autre question est fondamentale. Quelles sont les conséquences de chaque évasion? Toute évasion des prisons est une menace pour la sécurité des victimes de crimes et des témoins qui ont conduit à la condamnation des évadés. Décidément, donc l'insécurité ne va-t-elle pas se renforcer? Robinson d'Haïti, donc pour notre éditorial de ce lundi et 1er mars 2021. Nous allons faire contact rapidement avec Robinson. Quoi des bouquets qui te gagne courage pas sorti parce que quoi dans la justice pays a. Et c'est ça qui fait n'a pas un coup de cloche à prisonnier ça yo qui était en dans prison député Anel Bédier et pile d'informations le coup des yeux docteur oui docteur et on salue tout courage chaque prisonnier ça qui était en dans prison et capitaine de la justice son bagaille et monsieur de la justice yo monsieur au niveau de la justice monsieur cap gérer appareil justice la justice pas qu'à camper en dans pays sous base politique matin là. Je voulais lancer appel à moun kap fè politique dans le pays. Nous pas ka fermer la justice sous base n'ap fè politique sous base que nous pas ka prendre pouvoir. Nous pas ka fermer la justice, nous capable faire grève. Mais ou pas ka gon grève indéterminée. Il est pas possible pour que y ait des moun kap coupé dans prison. Nous ko désir ou konnen gen moun la ki mouri. Parce que pour que j'aime passer devant juge. Qui est 10 ans. Bien sûr, non seulement ça, mais il y a des gens qui mourent, des prisonniers qui mourent avec ordre de délibération. C'est grave, mais. Libération dans la main. C'est pas possible, mais. C'est pas possible. Il y a ordre de libération dans la main. Ok. Il n'y a pas libéré. Ou comment la justice a fonctionné? Est-ce que comment la justice a fonctionné dans nos pays? Ouais. C'est pas possible.
OK. Bon. En tout cas, et je dis à monsieur, c'est fait ton ami nous. Et Néglésiwa Jude. Oh, Jude. Je dis à Jude Potiwa. Jude Vaillant. Jude Vaillant. Et nos amis par nous et nous saluer Jude et nous dédier toute émission, hein, toute bien, émission vraiment avec Jude Potiwa qui s'est a fait par nous. Bon Events meilleurs Fourquet Souris dans Orlando. N'a salué Maître Bruno qui toujours branché émission matin débat. Roland samedi tout zanmi sa yo ki nan Brooklyn, tout zanmi ki nan Long Island, Fontanise, moun sa yo, François Turnier, alors gen Harold Turnier, gen François Turnier nan Connecticut, et monsieur son monsieur c'est yon nan moun que MCU au niveau de la diaspora choisi monsieur comme candidat à la présidence. Comment monsieur le? Salut François Turnier. Maxime Toussaint. Bon, on a tiré pas de débat. Ah oui, c'est François Turnier MCU. Kevin là? Ah oui, François Turnier. Il a choisi monsieur comme président comme diaspora. Candidat à la présidence pour la diaspora. Diaspora. Mais à la diaspora qui est candidat. Bon, on connaît. En tout cas, MCU choisit Yon. Oui. OK. Alors, candidature. OK, bon. On connaît qu'en pile dans nous. Et comme chaque jour d'ailleurs, qui toujours après tant d'émissions matin débat. Et ceci à tous les niveaux de cette société haïtienne. Merci en pile pour confiance que nous faisons à l'émission Matin Débat. Prisonnier au branché là, oui. Et ah oui. Quoi des bouquets. Ah oui. Dans le moment où on a parlé là. Et je dis, hein, ou qu'a dit, sauve-le de Matin Débat, mais je dis, hein, quel que soit le secteur, attaché à Matin Débat. Vous comprenez ça? Parce que justement, Matin Débat, ça qui discutait dans Matin Débat, yo, yo discutait avec sincérité. Et ça qui est important. Hein? Dans Matin Débat, c'est que nous sincères. Dans Matin Débat, c'est que nous sommes sincères. Et dans la relation avec moun, et sincérité, c'est un bagage qui compte en pile. D'ailleurs, papa m'a toujours dit ça. Parce que les gens qui ont parlé dans la radio, et puis on regarde l'expression visage, moun nan, et pour nous compte que entre ça qui a sauté dans la bouche, avec ça, regarde dans la figure là, ouais, c'est deux bagages différents. Et bien, dans Matin Débat, nous sommes sincères. Ça a coûté nous la vie parce que, madame, monsieur, travail, bah, vérité. Il n'est pas facile parce que nous avons déjà dans la vie. Et vérité pas toujours bon pour dire. Parce que vérité à l'ordre, il dérange un secteur. Vérité à l'ordre, il y a des gens qui pensent que c'est bon secteur qu'on travaille. Mais dans Matin Débat, nous faisons choix ça. Nous avons tête nous choix ça. Nous avons tête nous mission ça. Dis vérité, bah, vérité à côté pour nous bailler. Si ça peut arranger un secteur, c'est bon. En tout cas, si ça peut déranger un secteur également. Donc, on n'a pas à nous excuser. Donc l'important c'est que je dis, hein, pays ça, il faut que les gens qui sont capables de dire vérité à la donne. Je dis, il faut que les gens qui sont capables de dire là exactement Jean-Lier. Et dans ma tête de débat, je vais dire exactement Jean-Lier, madame, monsieur. Pas poser une question qui j'aime lever matin. Hein. Madame, monsieur, ça, ça gagne longtemps. C'est rare fois que je passe un week-end là quand même. Rare fois. Côté que depuis vendredi soir, je rentre mon paquet là quand même. C'est rare fois. J'ai longtemps que je n'ai pas fait ça. Et ça, c'est l'homme province. Ah ouais? J'ai longtemps que je n'ai pas fait ça. Pourquoi ça, week-end, ça, j'ai décidé de rester? Parce que. Je n'ai pas voulu. Parce que l'intention de ce week-end, c'était pour m'aller dans la Grand'Anse, pour m'aller donc, dans le sud, également dans la Grand'Anse. Je n'ai pas voulu à Jérémie, et puis pour les m'a tourner, me bloquer. Et de fait, si je suis dans Jérémie, si je suis dans la Grand'Anse, je suis bloqué. Regardez ce qui s'est passé donc, à Mariani. Donc, avant hier, et depuis hier soir, Mariani bloqué jusqu'à ce matin. Et traverser l'air de Martissant, c'est stressant, madame, monsieur, c'est comme ça. Pour traverser l'air Martissant, pour traverser Martissant, c'est stressant. Donc, je préfère rester là quand même, parce que je me dis que, le coup désir, je ne vais pas bailler tête, moi, stress ça, parce que rien ne presse, j'ai des amis. En fait, un peu partout dans le pays, dans le sud-est, dans le sud, dans le NIP, dans la Grand'Anse, je parle avec mon téléphone, je